Dévoilé lors des Video Games Awards 2018, Crash Team Racing Nitro Fueled a été accueilli avec énormément de joie par les gamers et les gameuses qui ont eu le bonheur de découvrir le titre à sa sortie en 1999. Le jeu de cartes à la sauce Naughty Dog fait partie de ces titres emblématiques de l'ère PlayStation, mais est également l'un des seuls rivaux valables des Mario Kart de Nintendo. Alors forcément, on avait hâte de découvrir ce remaster afin de s'assurer de sa qualité, mais aussi que l'image que nous avions de Crash Team Racing n'avait pas été embellie par la nostalgie. Trois circuits et les personnages accessibles au lancement du jeu, voilà ce qui était disponible sur la démo que nous avons pu essayer. C'est peu mais suffisant pour se faire une bonne idée générale de Nitro Fueled développé par le studio Binox. Réutilisant les technologies qui ont permis de redonner vie aux trilogies Crash Bandicoot et Spyro le Dragon, Crash Team Racing Nitro Fueled est sans surprise extrêmement joli. Les différents circuits ont été entièrement remodélisés avec beaucoup de goût et surtout sans trop en faire. Les décors ne sont jamais surchargés de détails inutiles, ce qui permet de rester proche de l'apparence originale des circuits. Alors bien sûr, certains argueront, et d'ailleurs à juste titre, qu'à côté d'un Mario Kart 8 Deluxe, Nitro Fueled paraît un peu vide. Mais Binox a misé sur la fidélité au matériel de base et on ne pourra pas lui en vouloir pour cela. Les trois circuits que nous avons pu essayer étaient tous les trois vraiment jolis et c'est finalement tout ce qu'on demande à un remaster de ce genre. Côté conduite, les fans seront ravis d'apprendre que l'on retrouve tout ce qui faisait l'attrait de Crash Team Racing en 1999. C'est-à-dire que le système de Power Slide est toujours présent et les triple boosts n'ont pas été oubliés, pas plus que la possibilité d'effectuer un petit saut en bout de tremplin pour gagner un boost à la réception. Comme son aîné, Crash Team Racing Nitro Fueled est hyper nerveux et offre aux joueurs les plus hardcore tous les outils pour rivaliser de techniques et éclater les chronos. Si l'on craignait que le jeu paraisse un peu mou, il n'en est rien car l'impression de vitesse est franchement agréable et la conduite est hyper dynamique, surtout sur les circuits qui mobilisent le plus les compétences du pilote. Bref, côté sensation de pilotage, c'est du tout bon et l'on a hâte d'essayer le jeu sur les circuits les plus exigeants comme la piste R de Painsrap Potoro ou le château de Cortex. Ce n'est certes qu'une mise en bouche, mais avec ce premier contact, Crash Team Racing Nitro Fueled nous a rassurés et l'on a hâte de le découvrir en version complète lors de sa sortie le 21 juin prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.